été premier lors de deux journées de ce top 14. Et c'est parti avec le coup d'envoi donné par Simon. C'est bien récupéré par un Bayonnais. Les Palois qui veulent également laver l'affront du match aller où, selon leurs propres termes, ils avaient été humiliés dans le combat des avants. Et la bonne sortie de camp de Max Machinot. Avec toute son expérience, le demi de mêlée de l'Aviron. De l'expérience, il y en a là, avec cette charnière Machinot. Camille Lopez, dont Sébastien Piccheroni doit forcément se méfier énormément. Même si en face d'Obania Simons, il y a du répondant. Le lancer, premier lancé pour Lucas Rey, qui forcément lui aussi a un match particulier, puisqu'en face, dans le staff bayonnais, il y a tout simplement son papa, l'ancien talonneur de la section, Joël Rey, entraîneur des avants de l'Aviron bayonnais, adjoint de Grégory Patate. Obania qui vient chercher Gaëtan, l'un des refoulés de Marcoussi. Il faisait partie du groupe des 34 du 15 de France pour préparer le match au Pays de Galles, mais n'a pas été conservé. Allez, on essaye de faire bouger le ballon côté palois, mais bonne défense de l'Aviron bayonnais. Et la charge de Simon Pierre Chauvac. Attention, Denis Marchois, il aurait pu y aller. Là, c'est Manou. Et non, c'est conservé. Avec Tatafou au plaquage. Et Dobania, on n'avance pas, choisi le jeu au pied. Et il avait vu un très bel espace libre entre Tchèque Tibérien et Matteo Carreras pour son premier match. On aura le temps d'en reparler. Le Pumas qui dispute sa première rencontre sous les couleurs bayonnaises. Il a des fourmis dans les jambes, disait Grégory Patate hier. Impeccablement capté par Arthur Ituria, ce lancé à 5 mètres de la ligne des Bayonnais. Et derrière, c'est du coup humain cette sortie de camp avec Camille Lopez qui laisse le ballon dans le terrain volontairement. Attention à Tissogbé. Placé à l'aile aujourd'hui, il aime relancer ses ballons et on sait qu'il va très vite. Bon contre-roc là des Bayonnais, Dobania qui porte. Et c'est un très bon grattage de Tatafou qui en plus enclenche la marche avant pour les Bayonnais. Machinot dans le sens, mais Lopez a levé la tête et essaye de décroiser pour tenter un 50-22, mais très bonne couverture de l'habituel arrière. Théo Atisogbe, champion du monde, moins de 20 ans. Chandelle de Camille Lopez, elle semble peut-être un peu courte. Non, non, elle est parfaite. Et à la réception, Tibérien a gêné Maddox. Et alors, on va écouter ce qu'a dit l'arbitre. Vous, capitaine, vous me réclamez une faute ici. Le 5 ici passe à côté de moi et réclame une faute. 10 mètres. Et voilà, les nouvelles consignes. On ne réclame pas des fautes. On ne parle plus aux arbitres. Contestation. Alors que vous apercevez Nick Abendanon aux côtés de Grégory Patta, l'ancien arrière du 15 d'Angleterre déjà, et mais aussi de Clermont et de Vannes. Et vous avez entendu Denis Marchois dire à M. Pradery, on va aller en touche, ça veut dire qu'on ne prend pas les points. Il l'avait quelque peu regretté lors de leur dernier déplacement à Montpellier, les Bayonnais, de ne pas prendre les points. Cette pénalité, elle semblait dans les cordes de Camille Lopez, mais elle est magnifique cette touche trouvée par l'ouvreur bayonnais à 5 mètres de la ligne. Et la magnifique coupe de cheveux digne de Bernard Fuster, supporter fidèle bayonnais, mais qui s'est fait chipper le ballon par Hugo Radou sur cette touche. Première munition gâchée par les bayonnais alors qu'ils avaient l'occasion d'inscrire 3 points ou même plus sur ce lancer en touche. Une nouvelle bonne munition dans les 22 mètres palois, mais là la très bonne lecture du fils de David Radou, Hugo Radou, lui aussi champion du monde moins de 20 ans,
qui est passé devant Denis Marchois. Et le lancer à suivre pour Giudicelli. Est-ce que c'est encore Arthur Itura qui va te chercher? Non, c'est Bourdeau cette fois-ci. C'est bien capté. Maxime Machno qui va chercher son premier centre. Martoc. Attention, la passe pour personne. Et du coup, c'est récupéré par les Palois. Pas d'en avant, mais c'est quand même récupéré par les Palois. Et même, c'est une pénalité parce qu'on a joué le ballon au sol. Ouais. Ah oui, c'est Rémi Bourdeau qui a joué le ballon au sol, qui ne s'est pas sorti de la zone du ballon. Vous êtes d'accord, le joueur de Bayern, il est toujours dans la 5 à 10 mètres de le joueur. Non, c'était le relayeur et il rentre au relayeur. Oui, c'est ce que je vous dis. Et les Palois qui sortent de leurs 50 mètres après cette pénalité contre Rémi Bourdeau, l'ancien Rochelet, grâce à cet ouvreur, le champion d'Angleterre et champion d'Europe. Joe Simons, l'ancien d'Exeter, meilleur réalisateur du top 14 alors qu'il a raté les trois dernières rencontres. Lucas Rey qui va chercher et trouver en fond d'alignement Rhys Ewatt. Bagna dans le sens, Gaëtan qui peut-être a vu un intervalle mais a été repris par le bout des doigts de Kassim. Il y a de l'avancée là côté palois. On joue dans le dos. Et la défense bayonnaise tient bien mais trop indisciplinée. 11 blancs, on ne relâche pas assez clairement. Et les gars, bien. 11 blancs. C'est Rémi Bagé qui est sanctionné par Monsieur Pradery. Qui, avant d'aller au grattage alors qu'il était plaqueur, aurait dû relâcher le plaqué. Et là aussi, le choix fort des Palois d'aller en touche. D'un côté comme de l'autre, on ne prend pas les points et c'est pour notre plus grand plaisir. On ne va pas se le mentir, on ne va pas bouder notre plaisir de voir les deux équipes essayer de jouer alors qu'on revoit la faute de Bagé assez évidente. Effectivement, il n'a pas relâché le plaqué. Et lancé pour Lucas Rey. Pour Hugo Radou. Et le ballon porté qui s'organise. Le ballon dans les mains de Lucas Rey. Centimètre par centimètre qu'il avance. Les trois quarts avec Ezeala qui viennent prêter main forte à leurs avant. Pas de faute. Ce sont les Palois qui se sont écroulés tout seuls. Il faut donc se réorganiser autour du demi de mêlée. Thibaut Dobagna avec du jeu à une passe pour aller fixer la défense. Et le capitaine Luke Whitelock. Cette fois-ci, le frangin Sam à la charge. La libération est rapide. Attention, il a les mains sur le ballon, le baïonnet. Est-ce dans les règles? L'arbitre l'a joué. C'était Giudicelli, me semble-t-il. Vous avez entendu l'arbitre, on lui a donné une info qu'il n'a pas compris. Encore Rhys Ewatt, très présent dans ce début de match. Là, peut-être Tatafu une nouvelle fois. Non, il n'est plus sur ses appuis, il a relâché le ballon très intelligemment. Nouvelle charge de Luke Whitelock, la fin de passe de Gorgadze, refoulée par Seyte. Oh, ça défend très 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 dur côté bayonnais, mais ça conserve extrêmement bien. Côté palois et on avance, on n'est plus qu'à quelques centimètres avec le capitaine Luke Whitelock et en plus il y a un avantage en cours. Plaqué premier soutien ici pour nos porteurs de balle. On a plaqué un joueur qui n'avait pas le ballon côté bayonnais. On plaque ici le premier soutien nos porteurs de balle. Cette fois-ci elle est sous les poteaux, regardez Simons. Ici il plaque le premier soutien nos porteurs de balle. Le mec qui est grattage, il est toujours... Non. Luke Whitelock qui tente d'influencer l'arbitre en disant que les gratteurs sont à quatre appuis. Couleur. Écoutons les arbitres. Puis derrière, après la faute. Parce que c'est inaudible sinon. Il demande la couleur, donc vert ou blanc. Et ensuite la faute. Capitaine, j'ai pas besoin de vos commentaires. Je vous remercie. Ça fait deux fois. Non, c'est pas votre job de me dire ce qui se passe sur le terrain. Non, c'est pas votre. Belle image proposée par notre réalisateur David Sellers.
On vient au stade à tous les âges, évidemment, au hameau. Même si le Pays Basque faisait un peu grise mine mardi après la défaite du côté espagnol de la Real Sociedad face au PSG. Mais c'était du foot. Là, on revient au rugby, au top 14 et à ses trois premiers points inscrits par Joe Simmons. Et les âmes de Sébastien Piccheroni qui mène 3 à 0 face à l'Aviron bayonnais. Le grand Sam Whitelock était à la réception de ce coup d'envoi. Lui qui revient d'un protocole commotion. Subi lors de la victoire à l'extérieur des Palois sur la pelouse de l'UBB. Une victoire qu'il avait rassurée puisque c'était tout simplement sa première victoire en 4 matchs et que il avait peur d'être le chat noir de la section puisqu'ils ont entamé une petite dégringolade au classement et une mauvaise série lors de son arrivée, Sam Whitelock. Mais il a pu très rapidement se rassurer parce qu'une victoire sur la pelouse de Chabandelmas, ce n'est pas donné à tout le monde. Et visiblement, l'un de nos téléspectateurs, Arnaud Loquet, n'est pas satisfait de l'anecdote sur la défaite de la Real Sociedad mardi du côté d'Anoeta au Pays Basque où tout le monde était présent. On sait que de nombreux joueurs de l'Aviron bayonnais de la section Palos sont supporters du club basque de football. Atis Ogbe, bien chassé par l'Argentin Carreras, qui a ensuite récupéré illicitement le ballon. On va écouter l'arbitre là, parce qu'il y a beaucoup de fautes. Ici, les plaqueurs, ils ne peuvent pas jouer le ballon au sol comme il le fait. Quatrième faute d'affilée contre vous. Disciplinez-vous, s'il vous plaît. Si je vous dis rien, c'est que pour moi, vous êtes légal. Ici, plaqueur, il faut se sortir. 14. Plaqueur plaqué, il plaque et il faut qu'il se sorte. Ah oui, le plaquage était très bon de la part de Matteo Carreras. Mais derrière, il faut se sortir et il a joué le ballon. On va le voir là. Plaquage impeccable, mais il doit sortir. Peut-être un réflexe de Seven, lui qui est un grand joueur de rugby à 7 aussi. Magnifique prise de balle une nouvelle fois. C'est une moisson pour Hugo Radu aujourd'hui. Et la charge de Gorgadze, le surpuissant numéro 8 de la section paloise. Atis Ogbe qui vient beaucoup chercher les ballons dans la ligne. Relais d'Oradou. À nouveau Gorgadze. Ils avancent les Palois. Ils sont dans les 22 mètres. Des Bayonnais. Le relais des avant avec Lucas Rey. Le soutien bien présent. Sam Whitelock dans le dos pour Simmons qui a hésité à allonger vers Gaëton et qui a été bien pris puis relâché par Bourdeau. Dubagna dans le sens avec Rissi Watt. On ne se consomme pas à côté bayonnais. Vous voyez ce premier rideau très dense. On ne va presque pas dans les rucks pour effectuer un gros premier rideau. Mais peut-être là avec la sautée de Manu pour Atis Ogbe. Très bien pris par Carreras. Il y a un match dans le match entre les deux là qui va être intéressant à suivre. Si on avait les stats d'occupation et de possession, par contre, ce serait quand même clairement nettement à l'avantage de la section. Attention parce que Bagé essaye de jouer vite, mais il l'a joué devant l'endroit où le ballon était sorti. Il ne peut pas, il peut la jouer derrière. Il avait cherché son coéquipier Arnaud Herbinart Egaray. Lui aussi, Béarnais de naissance. Et qui a grandi au Pays Basque. Ce sont quelques-uns des Béarnais à jouer du côté de Bayonne et des Basques à jouer du côté de la section. Dans les 5.
Allez, Giudicelli qui a combiné avec Ituria. Bien refoulé par Whitelock, mais il a réussi à mettre un genou au sol à la fin. Et ça a été arraché par Sam Whitelock. Simons qui lève la tête et qui trouve peut-être Atis Ogbe. Non, il l'a lobé. Hooks aurait pu être dangereux ce ballon de récupération sur l'arrachage de Sam Whitelock. Ouais, Simons qui a vu qu'il y avait une rush défense avec trois joueurs qui montaient très vite et qui s'est adapté avec ce jeu au pied. Quelque peu trop la bonne prise de Seit. C'est très propre en conquête à part un ballon perdu à 5 mètres de la ligne. Paloise côté Bayonnais. Maddox lui aussi de retour de blessure qui trouve un intervalle. Et avec ses grands compas il perce. Il va être repris par Machenot. Oui non. Il ne sera pas repris et l'essai de Maddox. Pour son retour à la compétition, Jack Maddox vient inscrire le premier essai de la rencontre sur une relance de plus de 50 mètres. Quel essai! On revoit le dégagement de Lopez à Atis Ogbe qui va aller tout de suite chercher son arrière. Et là, il passe entre les deux centres bayonnais et Maxime Machenot, trop court. Chèque tibérien obligé de rester sur Émilien Gailleton. Et Jack Maddox finit derrière la ligne pour créer un petit break au quart d'heure de jeu et réveiller le stade du hameau. Ici, c'est la section, chante-t-il. 8-0 avant la transformation de Joe Simons. Et l'ouvreur anglais impeccable qui ajoute 2 points, ça fera donc 10-0 alors qu'on va revoir la relance de l'international australien là qui feinte la passe et qui passe entre Martok et Erbin Artegarai et qui vient inscrire son 7e essai de la saison en seulement 13 rencontres. C'est dire s'il est efficace Maddox. En termes d'occupation et de possession, on peut dire que c'est pour le moins mérité. Le début de match était clairement à l'avantage des Béarnais. Va-t-on assister au réveil des Bayonnais avec cette charge de Tatafu refoulée? Cormenier. Et cette fois-ci, c'est un Palois qui est sanctionné. 45 mètres dans l'axe. Ah, il s'excuse. Même un All Black à plus de 140 sélections peut faire des fautes, évidemment. Il est humain. On ne l'attend toujours pas. On insiste sur la stratégie qui est celle de l'aviron depuis le début de la saison à l'extérieur. On ne prend pas les points, on va chercher les pénales touches. Regardez, Sam Whitelock qui est considéré comme assistant plaqueur et qui doit relâcher Cormenier avant de venir au grattage. Allez, la combinaison avec Kassim qui a trouvé Martok venu à hauteur. Il y a de l'avancée. La charge d'Ituria. Première réelle incursion des Bayonnais dans les 22 mètres palois. Machenot dans le sens avec encore une fois Tatafu. Quel abattage de Sam Whitelock dans le travail au noir qu'on ne voit pas forcément dans les rucks. Là, c'est encore lui qui s'est jeté dans les jambes de Cormenier. Et là, qui vient mettre les mains sur le ballon pour le ralentir. Ce qui ne plaît pas à Thomas Seid, visiblement.
mais c'est conservé par les Bayonnais. Le voici justement, Thomas Seyt, qui ne sera pas conservé par l'aviron Bayonnais la saison prochaine, ce qui ne lui a pas forcément beaucoup plu. Attention, il est isolé là. Ah oui, on s'est vite rattrapé. Allez, on a continué, on s'était cherché, on s'est trouvé entre Seyt et Whitelock. Mais attention, parce que là, il y avait peut-être un surnom à jouer, mais Erbin Artegaray a été coffré. Mais Kassim, lui, ne l'est pas, il finit derrière la ligne. Et là, voilà la réponse bayonnaise, avec l'essai du numéro 8, Ousser Kassim, et son traditionnel cœur avec les mains à destination de ses enfants lorsqu'il marque. Là, on revoit d'abord Martoc, puis Bourdeau, qui, que l'on pensait isolé, mais tout de suite la réaction d'Ituria et de Bagé. Et derrière, un nouveau point de fixation avec Cormenier. Et Camille Lopez qui appelle, qui voit qu'il y a du surnombre. Erbin Artegaray qui fixe le défenseur. La libération est rapide et propre. Et 2 contre 2, mais la puissance, le rapport poids-puissance de Kassim face à Dobania est évidemment à l'avantage du Sud-Africain. Ah, a-t-il aplati ? On a un petit... Regardez les joueurs de la section paloise qui râlent tous. Et voilà, Monsieur Pradery, tu aurais pu laisser Camille Lopez taper, puisque de toute façon, désormais, on peut appeler à la vidéo après la transformation. Tu m'appelles pour vérifier le toucher à terre. Donc, pour moi, sur le terrain, d'accord, donc suspicion d'en avant, part de contrôle. Pour moi, sur le terrain, c'est décision de terrain, essai. On regarde clairement s'il y a une perte de contrôle du ballon et s'il y a un avant. Bon, il semble que il ne perd pas le contrôle. Oui, je suis devant l'écran. Ousser Kassim, il reste toujours en contact avec une partie de son corps. Ah, malheureusement, ça, on le répète. Les remplaçants. En revanche, il est peut-être devant la ligne. Face à ce sauvetage d'Emilien Gailleton. Écoutons les arbitres. La séparation, je veux juste voir si c'est pas le 13 qui tape le ballon vers son camp, alors que le blanc est en possession du ballon. Est-ce que c'est pas le 13 qui tape le ballon vers son camp et donc du coup qui fait que le blanc perd la possession? Est-ce que c'est le blanc qui peut... Est-ce que c'est le blanc qui perd la possession ou est-ce que c'est le vert qui lui fait perdre? Alors, on cherche une éventuelle faute d'Emilien Gailleton. Les arbitres sont devant l'écran géant. Et c'est monsieur Della qui a la vidéo. Est-ce que c'est le vert en tapant le ballon? D'accord. Ah oui, c'est le vert en tapant le ballon, okay, qui fait perdre le contrôle. Je ne vois jamais le 13 toucher le ballon, mais plutôt le bras du joueur. On est d'accord. Donc du coup, possession de balle, oui, perte claire, oui, séparation claire, oui, pas d'essai en avant. Eh bien, Ousser Kassim, le Sud-Africain, ne marquera pas son 5e essai de la saison. Il va être refusé. On écoute l'explication. La première chose, de savoir si le blanc perdait la possession du ballon et s'il y avait une séparation claire. La réponse est oui. La deuxième chose qu'on a regardé, c'était si le vert touchait le ballon qui engendrait la perte de possession de balle. Très clairement, ce n'est pas le vert qui touche le ballon, il touche le bras du joueur. Donc c'est le blanc qui perd la possession du ballon, il y a un avant, mais il est pour les verts. Pas d'essai. On explique ce que vient d'expliquer M. Pradery, c'est-à-dire que Emilien Gailleton n'a pas le droit de taper sur le ballon, mais a le droit de taper sur le bras de son adversaire, ce qu'il fait. Il y aura donc un en avant bayonnais et une mêlée. Ô combien importante introduction, Thibaut Dobania. Ici, monsieur. Poussé, poussé.
réclament les supporters du hameau. Flexion. Lié. Je. Elle est propre cette mêlée et ce soutien de Manu pour ouvrir l'angle à Thibaut Dobania. Qui laisse le ballon dans le terrain, peut-être un bon ballon de relance là pour Tiberien et Bagé. On sait qu'il a du feu dans les jambes, surtout en ce moment Rémi Bagé, même si là, il a été très bien pris par qui ? Ben, par Sam Whitelock. Tatafu qui arrive lancé, mais qui est pour le moment bien pris par la défense paloise, notamment Hugo Radu là, qui s'est bien baissé. Les appuis de Carreras. Carreras arrivé la semaine dernière, qui était même prêt déjà à jouer pour la rencontre à Jean Daugé contre le Loup, alors qu'il n'était là que depuis quelques jours. Mais Grégory Patate, comme il en a l'habitude, préfère lancer ses nouveaux joueurs à l'extérieur, où il y a moins de pression, et il sera à la réception là, de cette chandelle, parfaitement réceptionnée par Maddox. Ouais, ça a mis un petit coup de froid sur le hameau et un petit coup bambou derrière la tête des Bayonnais. Cet essai refusé, alors que ça aurait pu relancer complètement la rencontre. Tiber est impeccable aussi à la réception de ce jeu au pied. Lopez qui a vu peut-être un surnom. Bagé qui a feinté et l'a croisé. Attention, il s'est télescopé avec son coéquipier. Garde-t-il le ballon au sol ? Non, c'est conservé. Cormenier à la charge. Et Maxime Macheneau va renvoyer le jeu dans le camp béarnais. Il est très bien tapé, mais il est très très bien réceptionné, comme depuis le début du match, par Maddox. Là, il y a un en avant de Lucarey. Non, c'est de la tête, il n'y a donc pas d'en avant. Roche a été récupéré devant, tête reprise devant. Ah, c'est arraché en main par Cormenier. Bon ballon, Macheneau qui tout de suite a vu qu'il n'y avait pas de couverture, puisque c'était un ballon de récupération, mais intelligemment Sam Ezeala, malgré la pression de Bagé, a laissé sortir ce ballon pour bénéficier du lancer. Allez, on va se calmer un peu parce qu'il y a eu beaucoup de turnover, il s'est passé beaucoup de choses dans ces derniers temps de jeu, qui a été on ne peut plus long d'ailleurs. On voit quelques joueurs avec les mains sur les genoux. Regardez la feinte de croisé, mais derrière, la bonne défense de Manu et le télescopage avec Erbin Artegaray. Et l'alignement pas respecté par les Bayonnais. Bras cassé en faveur de la section. C'est parce que vous resserrez l'alignement. Ça fait deux fois, je l'ai dit deux fois. Et la mascotte de la section paloise qui essaye de remettre un petit peu d'ambiance dans ce hameau qui s'est éteint. Bonne prise de balle de Cassim en fond d'alignement. On combine là, mais c'est approximatif et Bagé du coup occupe le terrain et le fait plutôt bien, puisque il oblige à Sam Ezeala à s'y reprendre à deux fois et à trouver une touche à hauteur de la ligne médiane, alors que Rémi Bagé était clairement dans son camp. Donc on peut considérer que c'est un échange de jeu au pied gagné par le Bayonnais, même si ça ne satisfait pas forcément Grégory Patate ou ses approximations. Beaucoup de ballons rendus, beaucoup de
d'indiscipline ou de petite faute bête. Là, en revanche, c'est impeccablement pris par Denis Marchois. Et Martoc, tout en puissance, qui vient fixer Simmons. Dans le renversé, Machno a joué avec Seyte. Il n'a pas gêné Bordeaux, il n'a pas gêné personne. Ça continue à jouer. Nouvelle charge de Marchois. C'est conservé par les Bayonnais. Ituria, lui, il est un peu esselé dans le soutien qui arrive. Là, on essaye de marteler la défense paloise côté Bayonnais et jusqu'à ce que Camille Lopez appelle le ballon et Martoc sur les appuis qui se défait de Gaëtan pour servir Carreras. Il est rentré dans les 22 mètres de la section, Carreras. Et Giudicelli qui arrive à pleine balle. Attention au contre-ruck. Non, c'est bon, c'est conservé par les Bayonnais. Machno avec Kassim qui avance comme sur chacune de ses prises de balle. Le numéro 8 sud-africain, Tatafu. Il faut concrétiser ce temps fort côté Bayonnais pour se récompenser. La fin de passe de Lopez pour Tiberien. Pas d'en avant, c'est récupéré par Bagé. Attention, il y a de l'espace devant lui. Et il est arrêté à quelques centimètres de la ligne. Machno qui feinte la passe, qui se retourne. Fini vert, lâchez vert. Où ça pousse fort côté Bayonnais. Lopez qui allonge, peut-être à l'intérieur. Oh, il était à quelques centimètres, Erbin Artegaray. Et peut-être que là, oui, l'essai de Rémi Bourdeau. Si, si, je suis juste à côté là. Je suis là. Si, si, moi je le vois sur la ligne et après il est renvoyé. À Luc Carey. Je suis juste à côté. Luc Carey qui estime qu'il était en dessous de Rémi Bourdeau. C'est-à-dire quand le plaquage tient debout, on ne peut pas accéder au... Il y a clairement essai. Dans un premier temps, il me semble qu'il y ait essai. Alors qu'on était en train d'écouter la conversation très intéressante, très, très respectueuse entre le capitaine Denis Marchois et M. Pradery. Alors, dans un deuxième temps, il y a clairement une main paloise qui refoule. Pour moi, la validation de l'essai, je voyais le ballon donc bien passer la ligne et aplati dans un premier temps et repoussé dans un deuxième temps. Tu veux me montrer une image contraire ? Ce qui me semblait également, est-ce que dans un premier temps, c'est-à-dire là, il n'y a pas essai et ensuite, il est refoulé. Il va falloir voir si au moment où il est en contact avec le sol, maintenant, ouais, ouais, il me semble que il y a une main, mais un bout de ballon touche la ligne. On voit parfaitement qu'il y a des mains sous le ballon. Mais est-ce qu'un bout du ballon touche la ligne ? On peut regarder juste si, à nettoyer la situation, si les défenseurs sont bien en jeu avant de plaquer. Voilà. Exactement. Parce qu'on le rappelle, il suffit qu'il n'y ait qu'un millimètre du ballon qui effleure la ligne. La ligne qui fait partie de l'embut pour qu'il y ait essai. Là, dans un second temps, c'est très clair. Il y a une bonne dizaine de mains paloises sous le ballon qui, de toute façon, n'est plus dans l'embut. Mais au moment où il se jette et où il touche le sol, là, est-ce qu'un bout de ballon touche la ligne ? Ça va pas être facile. C'est peut-être sur cet angle, même s'il y a Kassim qui gêne un peu. Là, voilà, juste avant. Effectivement, je ne vois jamais le ballon toucher le sol. C'était juste avant. Sur tous ces ralentis de notre réalisateur David Sellers, demandé par l'arbitre vidéo. On rappelle que c'est l'arbitre vidéo, monsieur Delac. Alors, c'est là qu'il faut aller tout doucement. Là, allez, ouais. Pour ralentir image par image. Effectivement, on a bien les bras dessous, hein, le bras dessous du bleu. Donc, du coup, pour moi. Ce serait un coup dur pour les Bayonnais.
deuxième essai coup sur coup refusé. On va écouter l'arbitre parler au capitaine. Pareil, deux choses, on regarde la validité de l'essai, donc très clairement, le 1, 2, 3, le bleu, non exactement, il n'y a pas de contact de ballon avec le sol, juste avec le bras. On a regardé la deuxième chose, si tous les joueurs verts étaient en jeu, ils sont complètement en jeu, puisqu'ils sont derrière leur ligne, donc il n'y a pas essai, renvoi dans le but. Le 7 là, il fait pas mal. Non, 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 pas d'essai, renvoi dans le but. Pas d'essai, pas de hors-jeu. On attend, non, 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 non. Il y avait, selon Grégory Patate, un avantage en cours en faveur des Bayonnais. Et ça a le mérite de réveiller le hameau, cet essai refusé à Rémi Bourdeau. Et se renvoie dans le but tapé très très haut par Joe Simmons. Kezeala a failli récupérer, mais Ituria impeccable, aérien. Troisième ligne ou deuxième ligne de l'aviron, arrivée de Clermont. La charge du capitaine Marchois. Lopez qui va chercher Cheikh Tibérien. Très en forme en ce moment. Lui aussi, l'ancien Clermontois. Mais là, il y a eu un ballon perdu par Tatafou. Ça avait été récupéré par Iwat. Et Simon se lève la tête. Attention, ça pourrait être un 50-22. Et surtout, il y a Bagé seul face à deux Palois. Mais très intelligemment, il a trouvé le soutien d'Herbin Artegaray, mais ballon contré. Il n'y a plus de position de hors-jeu sur un ballon contré. Giudicelli, le petit par-dessus. Ce match est complètement fou. C'est un derby des Pyrénées-Atlantiques. Des Basses-Pyrénées, comme on les appelait à l'époque. Mais ils s'en sont bien sortis, les Bayonnais, sur ce contre palois et sur ce jeu au pied de Simmons. Et ensuite sur le jeu au pied contré d'Herbin Artegaray. Je pense que Kémy Lopez va la sortir cette fois-ci. Ouais. Des limites du terrain, d'autant plus qu'il y a un joueur qui a l'air sévèrement touché. C'est, me semble-t-il, Guillaume Martoc. Donc il y aura commotion selon le médecin, quoi qu'il arrive. Espérons qu'il n'y ait rien de plus. Non, franchement, je le vois pas et là ils sont en train de le chercher. Non, mais au pire, laisse. Dis pas qu'il y a essayé parce que sinon il pouvait encore sortir le ballon. Jouer. Après, s'il n'y a pas essayé, il y a ça, il y a ballon tenu là, dans la mute. Allez, Maxime Macheneau qui réclamait à Monsieur Pradery de laisser jouer s'il n'y a pas essai, s'il n'y avait pas essai sur laisser refuser à Rémi Bourdeau, parce qu'effectivement ils avaient conservé le ballon et ils auraient pu donc. Alors regardez Martoc sur ce déblayage. Là pour l'instant ça a l'air d'aller. Là, blanc, blanc. Ah, il a peut-être pris involontairement le genou de Simmons dans la tête. 3. Et c'est Yann Lestrade qui fait son entrée à la place de Guillaume Martoc. Et le médecin indépendant qui va certainement faire passer le protocole. Allez, 2, on fera alors ça après. Que, ah oui, Lucaré se fait remettre le strap à la sauf. Ouais. Au poignet pour pouvoir lancer en touche. Et la charge du capitaine palois, Luc Whitelock. Et la chandelle de Simmons, très haut dans le ciel du Béarn. Elle a touché les Pyrénées, la balle. Mais pour son entrée en jeu, Lestrade a parfaitement conservé ce ballon et permis à Maxime Macheneau de dégager son camp. La relance de Théo Atisogbe. Veuillez nous excuser pour les petits problèmes de son
qui fluctue. Problème technique que l'on va régler très rapidement. Et la petite faute de main en avant Palois là. Ça sera donc une mêlée en faveur de l'Aviron Bayonnais. Et à l'image. Allez, monsieur. Hugo Oradou, le fils de David Bibi Oradou. Ancien champion de France avec le Stade français. Actuellement manager de Suresnes en national. Et dont le fiston est donc associé aujourd'hui tout simplement à Sam Whitelock. Flexion. Lié. Introduction Maxime Macheneau. Elle est stable cette mêlée. Il a levé la tête mais il va servir. Yann Lestrade qui vient de rentrer à la place de Guillaume Martoc. Ils sont dans l'avancée les Bayonnais. Bon, Camille Lopez avec Cheikh Tiberien. Le 2 contre 2 bien pris par Émilien Gailleton. Il a perdu le ballon au sol. Ouais, Cheikh Tiberien. Et là, ouais, dans le désordre, il y a une relance intéressante peut-être pour Maddox qui renvoie loin, très loin, le jeu dans le camp bayonnais. En jeu. On recule 10 mètres. Allez, la chandelle. Et à Tissogbé, battu par Tiberien dans le 1 contre 1. Et en plus, il relance avec Tiberien. Bagé qui peut décaler son trois quarts centre, Hermine Artegara et qui a retrouvé à l'intérieur Yann Lestrade. Ils le veulent cet essai les Bayonnais, ils en ont eu deux refusés. Et ils veulent se récompenser parce qu'après un premier quart d'heure apathique, c'est eux qui ont fait le jeu dans cette première période, deuxième partie de première période on va dire. Et les revoilà dans les 22 mètres de la section paloise. On prend son temps pour se réorganiser. Attention à ne pas faire de faute. Rémi Bourdeau, le malheureux non-auteur du dernier essai. Et Maxime Macheneau qui demande à ses avants de repartir en pick and go. Thomas Saïd qui soulève ce ballon pour Rémi Bourdeau. On prend son temps, on est patient jusqu'à ce que Camille Lopez peut-être feinte la passe. Et c'est encore Oradou qui était là pour le plaquer. Ituria qui détend son bras, sa carcasse, sa grande carcasse. Avantage en cours. Il n'a pas marqué. Peut-être dans un deuxième temps avec un coéquipier. Macheneau appelé par Lopez. Lopez qui passe au pied pour Bagé. Non, il la laisse à son centre. Hermine Artegaray qui va marquer en coin. Le premier essai bayonnais. Marqué par le jeune Fabien, centre originaire du Béarn, Arnaud Hermine Artegaray. Est-il passé en touche? J'ai un doute sur le toucher à terre. Non, moi j'ai pas de doute sur le toucher à terre, pas de passe en touche. Il touche le haut du drano, je ne vois pas le pied en touche. Et c'est. Et voilà. Il y avait avantage. Oui. Et le bon réflexe de Camille Lopez sur un avantage, de tenter quand même de jouer cet avantage. Et sous cet angle, même si c'est allé un peu vite, ça semble être le bon choix. De toute façon, c'est ce qu'on va regarder, s'il y a quelque chose. De toute façon, le plaquage de Simon, c'était pas très légal, parce qu'il met pas les bras. Oui, il semble qu'il aplatisse avant de passer en touche.
ici pour moi, c'est un plaquage. Hein. C'est un plaquage. S'il parle de Simon, c'est limite quand même. Parce qu'il ne met à aucun moment les bras, il n'y vient qu'avec l'épaule. Mais en tout cas, là, pour l'instant, il n'est pas en touche. Il aplatit sans être en touche. L'essai devrait être validé, mais est-ce qu'il y aura une double peine ? Anthony, tu me calmes de suite le banc de Bayonne, sinon c'est moi qui vais les calmer. Oula, j'ai entendu. Si, on n'arrête pas de les entendre nous. C'est peut-être pas Patate qui est de ton côté, mais par contre, moi, derrière mon dos, il n'y a pas que Patate, c'est l'ensemble du banc. La transformation manquée de Camille Lopez. Et le trois quarts centre, Erbien Artagaray, vient marquer son troisième essai en top 14 cette saison. Et les Bayonnais qui, grâce à cet essai, reviennent au score à 5 petits points de la section paloise, 10 à 5. À un peu moins de 4 minutes de la mi-temps, forcément, ça fait grimacer Sébastien Piccheroni. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que ça leur pendait au nez quand même, avec deux essais refusés pour Kassim et Bourdeau. Et celui-ci, Erbien Artagaray, était parfait. Ici, on le pousse. Ah, une faute bayonnaise sur Hugo Radu. On pousse le joueur en l'air. Sa magnifique moustache. Et on va aller occuper le camp bayonnais avec cette touche trouvée par Simons, magnifique, double champion d'Europe, on le rappelle, avec Exeter. C'est la bonne pioche de la saison de Joel Simons. Et juste avant la mi-temps, il y a une bonne munition là pour les coéquipiers de Sam Whitelock. Avantage en avant bleu. En avant. Et il y a eu un en avant bayonnais sur ce lancer palois, donc ils vont avoir une deuxième cartouche, les palois. Non, parce que c'est le bleu qui va chercher le ballon et qui fait en avant. Thomas Seyt, une image qui est touchée. Lui aussi peut-être va se faire poser un strapiac. C'est lui en tout cas qui avait commis l'en avant. C'est bon ? Dans cet alignement. Allez, les gars, on y va. Et il s'est fait mal à la main en allez, passant devant Hugo Radu. Allez. On rappelle, deux points d'avance au classement pour la section paloise sur leur adversaire du jour avant cette rencontre. Lié. Ce match, la pression est immense pour cette rencontre. On va la faire revoir, cette mêlée qui s'est écroulée. Bien reçu. Ouais. Ouais. Je fais un quart d'heure avant quand même. Okay. Okay. Hein? Ouais, il n'y a pas de stabilité avant l'introduction. Impact et stabilité comme on a dit dans les vestiaires. Et comme vous avez fait sur les deux premières. Allez, en place. Allez messieurs, vous avez montré que vous savez le faire. Allez, cette mêlée. Monsieur Pradery, l'aveu propre. Avant de filer au vestiaire. Les palois à 10 mètres de la ligne des Bayonnais qui doivent tenir
après être revenu à 5 points des Palois avec cet essai de, du jeune Erbin Artegaray. Oh, c'est très bien talonné, il se vide dans les pieds de Gorgadze. La double poussée paloise, pas d'avantage en cours, mais Manou qui arrive lancé. Dobania avec Gorgadze qui a enlevé son casque. Oh, les libérations sont rapides. Simons qui allonge sa passe et ça va être laissé pour Samuel Essayala, seul, isolé sur son aile. L'ancien Clermontois Samuel Essayala qui vient marquer le deuxième essai palois et recreuser à nouveau l'écart juste avant la mi-temps. Le coup de poignard là pour les Bayonnais, la sirène qui retentit, ce sera la mi-temps après la transformation de Joe Simons qui pourrait donner 12 points d'avance à la section paloise. Et la lecture hein, justement de Joe Simons qui décide de sauter Maddox qui avait monopolisé deux défenseurs et qui sert magnifiquement Samuel Essayala, l'Espagnol de naissance, passé par le centre de formation de Clermont et arrivé à l'intersaison et qui vient marquer son sixième essai de la saison. La transformation qui ne passe pas et on en reste à 15 à 5 en faveur de la section paloise à la mi-temps. Puisque Samuel Essayala a marqué juste avant la mi-temps. Et le coup d'envoi de cette deuxième période donné par Camille Lopez. Oh, dans le ciel du hameau. Et c'est parfaitement récupéré par le géant Centurion All Black, Sam Whitelock. Dedans. Et une libération propre pour permettre à Thibaut Dobania de dégager son coup. Attention à ne pas se gêner entre deux joueurs. Cheikh Tiberian, il va le relancer. Ce ballon, il est puissant. Il avait, excusez du peu, Rissé Watt et Luke Whitelock sur le dos, mais il a avancé l'arrière bayonnais. Le relais de Kassim. Cormenier dans le dos pour Lopez, c'est bien fait. Tiberian, la croisée avec Bagé, bien pris par Sam Whitelock, mais il a retrouvé du soutien à son intérieur, mais ballon perdu. C'était Erbin Artegaray qui a commis ce petit en avant. Et là, Carreras est un peu esselé, l'ailier argentin, pour son premier match sous les couleurs bayonnaises. On le rappelle, lui qui devait arriver que la saison prochaine, mais qui finalement a anticipé son arrivée. Qui évolue du côté de Newcastle. Donc c'est bien fait de la part de l'auteur de l'essai bayonnais, Erbin Artegaray. Judy Chelli et Maxime Machno qui à son tour va renvoyer le jeu dans le camp palois dans cette zone 40-40. On le sait, on n'insiste pas sur de multiples temps de jeu. Mais le problème, c'est qu'en face, il y a un Maddox toujours aussi impérial sous les ballons hauts. Non, restez, restez. Et Palois qui s'était imposé à l'extérieur à Bayonne la saison dernière, mais ce n'était pas à Bayonne à Jean Daugé, c'était à Bayonne à Anoueta. C'est pour ça que les Bayonnais sont toujours invaincus dans leur stade mythique de Jean Daugé et non pas à domicile puisque ils avaient connu cette défaite à Anoueta, tout comme la Real Sociedad mardi contre le PSG. Le plus grand désespoir d'Arnaud Loquet. Allez, le lancer sera bayonné avec Giudicelli. Luke Whitelock et ses oreilles en chou-fleur. Et son bandeau, contrairement à son frère, le lancer est lobé, mais bien récupéré par Cormenier.
Le relais d'Ituria qui soulève ce ballon pour Saïd qui a trouvé le relais de Giudicelli. C'est très bien fait avec Tatafu. Tatafu tout en puissance, tout en canne. Il a trois joueurs sur le dos mais il est arrêté à quelques centimètres de la ligne. Incroyable course, avantage en cours. Lopez qui allonge pour Rémi Bagé. Et c'est Rémi Bagé qui va marquer le deuxième essai bayonnais sur cette action magnifique avec des passes après contact des bayonnais. Et derrière, à le tchèque, il est beau. Ouais. Ce petit tchèque entre Swen Cormenier et Rémi Bagé. Mais là, surtout, quelle course de Tevita Tatafu et Camille Lopez qui appelle le ballon, sachant qu'il y avait un avantage en cours. Et là, on revoit, c'est très très bien fait dans un premier temps de Saïd et ensuite de Giudicelli. Et là, 1, 2, 3. Béarnais pour arrêter Tatafu. Et la lecture de Camille Lopez et surtout ce talent de finisseur de Rémi Bagé. Inarrêtable. Depuis le début de la saison, lui qui à un moment ne jouait plus trop. La transformation de Camille Lopez qui passe et les supporters bayonnais se réveillent. On a aperçu Pablo Richard, joueur des moins de 8 de l'aviron bayonnais avec les enfants de Camille Lopez, alors qu'il y a du changement. C'est le capitaine Denis Marchois, me semble-t-il, qui sort. Probablement Miko Tadze qui a fait son entrée. On ne l'a pas encore aperçu. Ah non. Oh. Cette prise de balle, me semble que c'est Baptiste Egui. Peut-être que Arthur Ituria va repasser dans la cage où il a l'habitude de jouer en deuxième ligne. Passe. Et les Bayonnais qui n'ont plus que 3 points de retard sur les Palois alors qu'on a changé. Ah oui, non, Egui a remplacé Marchois et Miko Tadze Saïd et Perchaud Cormenier. En fait, il y a eu 3 changements devant dès le début de cette seconde période pour amener du sang frais. Il n'empêche qu'on a sorti les deux deuxièmes lignes, donc c'est bien probablement Arthur Ituria qui glissera au poste de deuxième ligne. On le verra sur la première, mais là il y a eu un en avant bayonnais, c'est pour ça que M. Pradery ne laisse pas l'avantage. En avant, en plaquant, et en avant. Allez. Et Raphaël Talbot qui nous signale que c'est Camille Lopez qui est passé capitaine depuis la sortie de Denis Marchois. Justement, le voici Arthur Ituria qui a un petit problème au cou. Arrêt du temps. S'il doit passer au poste de deuxième ligne, ce n'est pas la meilleure nouvelle. Alors, est-ce que c'est bien lui? Oui, vous le voyez se préparer aux côtés de Costantin Miko Tadze. Et la banda Oslus et tous Bruce. Cher à notre ancienne collègue Isabelle Turbeau que l'on salue. Lié. Intéressante cette mêlée pour la section Palos et Thibaut d'Aubernia puisque les deux côtés sont ouverts. Il y a de l'espace à droite et c'est le côté droit qu'il choisit. Et Atisogbe, pas de surnombre et surtout il est tombé sur un roc puisque il les aime ses contacts, Maxime Machenot. Et il a bien refoulé le champion du monde, moins de 20 ans, placé à l'aile aujourd'hui. Avec le retour de Maddox à l'arrière. Manu à hauteur pour Gaëtan. Gaëtan bien cadenassé dans ce match pour le moment, mais il peut sortir à tout moment un exploit, on le sait, Emilien Gaëtan. Non, international français. Gros plaquage là d'Arthur Ituria. Et en avant, Palois dans la foulée. Grosse séance défensive là des Bayonnais qui sont récompensés
Et il a le regard noir, Sébastien Piccheroni, parce qu'avec ses 3 points d'avance, il est à portée de tir des Bayonnais qui ne comptent que 2 points de retard au classement avant cette rencontre sur la section paloise, 6e. Et qui, en cas de victoire, aurait l'occasion de quelque peu les enterrer, même si tout va très vite. Mais en cas de défaite, sachant qu'il leur restera 2 déplacements de plus que leur adversaire du jour, ça se compliquerait pour la qualification. Et même s'il a le regard inquiet, il sent qu'il y a un coup à faire, Grégory Patate. Et peut-être là, sur cette mêlée, vous voyez Cheikh Tibérien dans le côté fermé. Là aussi, un peu comme la précédente de Thibaut Daubagna. Elle est intéressante à jouer, cette mêlée. Mais d'abord, il faut assurer les bases. Et les bases, c'est la conquête, c'est la mêlée. Allez, plus de patience. Il y en a qui sont en pleine confiance, hein, qui restent sur une victoire bonifiée samedi dernier contre Lyon à Jean Daugé. 39-10, leur deuxième victoire bonifiée de la saison. Alors que les Palois, eux, s'étaient inclinés 25-12 du côté de Jean Bouin chez le leader, le Stade français. C'est vous. Et voilà, c'est le fermé qui est choisi avec Tibérien qui prend l'option du jeu au pied rasant, mais Maddox couvrait très bien. Et surtout dégage extrêmement bien son camp. Retour. Deux verts. Bien reçu. À l'envoyeur. Changement de talonneur du côté de la section avec l'entrée de Youri Delhomel. Il arrive. À la place de Lucarey. Va-t-il croiser son papa en sortant, Lucarey ? Plutôt après le match, parce qu'il me semble que pendant la rencontre, Joël Rey est plutôt dans les tribunes que sur le bord du terrain. Et surtout, l'un comme l'autre, là, ils sont concentrés sur leur objectif, à savoir la victoire, peut-être avec cette combinaison Kassim. C'est l'Estrade qui avait retrouvé Ituria à son intérieur, mais il a commis un intérieur en avant. Et Yann Lestrade toujours sur le terrain, ce qui nous laisse penser que Guillaume Martoc n'a pas répondu favorablement au protocole commotion. Raphaël Talbot va évidemment immédiatement aller à la pêche aux informations. Et ça pousse dans les tribunes du hameau. Mais ça pousse des deux côtés parce qu'ils ont fait le déplacement, les Bayonnais. À peine 100 km séparent les deux villes. Le Béarn contre le Pays Basque. Faction. Lié. Je. Ouais, arrêt du temps. Les deux talonneurs. Allez, on va convoquer les deux talonneurs parce qu'il y a des problèmes en mêlée là. Vous venez de rentrer, je sais. C'est juste que sur la mêlée précédente, il s'est passé exactement la même chose. Plus de patience, d'accord. Là, ici, on a le 1 vert et également le 1 blanc qui rentre avant, d'accord. Donc plus de patience. Allez, messieurs. Allez, on va essayer de la jouer, cette mêlée. Ouais. Alors que Peter Scholz se prépare à rentrer le pilier droit bayonnais. La tête à fou a peut-être laissé quelques plumes sur sa course folle, ce qui a mené à l'essai de Rémi Bagé. Flexion. Lié. Je.
l'introduction est pour Thibodeau Bagnat. La mêlée est stable. Manou qui retrouve à l'intérieur Maddox, me semble-t-il. Libération rapide, ça joue dans le sens. Le crochet intérieur de Simmons. Ah, la passe pour personne du capitaine Luke Whitelock. Et c'est alors qui tente et réussit à remettre de l'avancée. Bagna repasse par ses avants et son capitaine. Non, 18. Ah, la défense bayonnaise impressionnante hein, aujourd'hui. Dans cette zone 40-40. Lemla, Gaëtan pris par Carreras et par Egui. Attention au côté fermé de Dobania avec Maddox, mais il n'y avait pas de surnombre. Il y avait peut-être un contest de Carreras. Non. Oradou qui avance. Là, il y a eu de l'avancée. On est à proximité des 22 mètres. Et on joue dans le dos Manou. La longue sautée pour Issewat. Bien pris par l'estrade et Maxime Machno. Dobania avec Tokolahi. Sam Whitelock refoulé par la défense bayonnaise. Il semble quelque peu à court d'énergie là, le géant néo-zélandais. Mais Manou, il ne sait pas quoi faire. C'est très significatif là de cette action de la section paloise. Manou qui s'est arrêté devant la défense sans solution. Et Rémi Bagé qui a le droit de mettre les mains sur le ballon mais qui a récupéré. Voilà le contest valide de Rémi Bagé. Il n'avait pas les quatre appuis au sol, mais le contest de Sam Whitelock l'est tout autant. Et là c'est danger. Il y a le feu dans la défense bayonnaise parce que c'est un ballon de récupération. Donc on n'est pas positionné. Et Maddox qui sur un pas décale Manu qui va monter en coin. Le troisième essai de la section paloise. Quelle passe de Jack Maddox. Et non, l'essai est refusé par M. Pradery. Je n'ai pas entendu son coup de sifflet. Alors, est-ce la passe d'Atis Ogbe pour Maddox ou la passe de Maddox pour Manou? Ça semble être celle de Maddox pour Manou. Il faudrait un plan large pour plus se rendre compte. Voilà, alors... Oui, effectivement, ça semble quand même être assez évident. Monsieur Pradery qui demande un arrêt du temps. Que se passe-t-il? 5 et 7 verts, changement. Et chez les Blancs, le 3, tu me dis? 3. Ouais, voilà, Tatafu pour Scholz, on l'avait annoncé. Et 5 et 7 verts, c'est donc Sam Whitelock et Issewat qui cèdent leur place à Tagi Tagi Valou et Sacha Zegger. 5. Ouais, applaudi, ovationné Sam Whitelock, un géant du rugby international qui pendant la Coupe du Monde a dépassé Richie McCo tout simplement au nombre de sélections chez les Blacks. Excusez du peu. Ils ont eu chaud les Bayonnais là sur cet essai refusé à Toumoua Manou. Et c'était d'ailleurs Sam Whitelock qui était allé gratter ce ballon. Et les ballons de récupération sont évidemment très bons à jouer puisque l'équipe adverse est désorganisée. Flexion. Et c'était le cas. Et Maddox sur un pas avait réussi à décaler Manou, mais la passe était en avant. Magnifique image là. La vue de Grégory Patat. Image proposée par notre réalisateur David Sellers. La fin de passe de Camille Lopez qui dégage du coup du droit mais qui dévisse quelque peu. Maddox qui sert à Tissogbe. À Tissogbe qui repique à l'intérieur. Qui a été pris en raclette là par Ituria. Ouais, on n'a pas lâché le ballon. Avantage en cours pour les Palois. Ils vont le jouer cet avantage, les Palois.
Simons qui tente un petit par-dessus pour Manu. Son dernier essai a été refusé. Là, il décale. Emilien Gailleton va-t-il finir derrière la ligne? Non. Mais c'est conservé par les Palois. Dobania qui laisse ses avants partir en pick and go. Plus que quelques centimètres. L'avantage toujours en cours. Manu qui peut décaler. Maddox pour essayer Alain. Et l'essai est-il accordé? Alors, il s'est fait mal. Samuel essaie Alain. A-t-il marqué un doublé? Il y a eu un coup de sifflet de l'arbitre. Mais est-ce revenir à la pénalité ou accorder l'essai à Issa là? Du coup, ça me met l'impression, j'ai pas le temps de taper sur mon petit gauche du coup. C'est à cause de moi. Pourtant, j'ai l'impression que je me sors. Manu, là, ça c'est magnifique. Gailleton qui ensuite est à deux doigts de passer la ligne. Et derrière, le côté fermé avec... Manu Maddox essaie à la et l'essai est parfaitement valable. Le doublé pour Samuel essaie à la. Bien reçu. Qui marre donc. C'est 6e et 7e essai en top 14 et qui redonne de l'air à la section paloise et au stade du Hameau. Et vous avez entendu Camille Lopez signalé à l'arbitre qu'il avait été gêné justement par Monsieur Pradery et qu'il n'avait pas pu dégager de son bon pied le pied gauche et qu'il avait été obligé du coup de repiquer sur son pied droit et que c'est de ça qu'est partie l'action de l'essai. Simons toujours impeccable et les Palois qui reprennent 10 points d'avance. Ah, la magnifique petite chistera de Gorgadze. Et là, dans le couloir des 5 mètres, le 3 contre 2. Passe. Et c'est Alla qui plonge dans l'embut. Ah, là, ça a réveillé la section paloise. Mais l'indiscipline, il y avait encore un très bon grattage. Ballon gardé au sol, 8 vert. Ouais, c'est Gorgadze qui est sanctionné. Ah, je le vois d'abord au contact et levé après. Je peux me tromper. Hein. Et on va aller en touche côté Bayonnais hein, parce qu'on a 10 points de retard. Et qu'elle était quand même relativement en coin cette pénalité. Vous voyez les avants qui se mettent en cercle autour d'Arthur Ituria. Comment vont défendre les Palois? Vont-ils sauter ou attendre les Bayonnais en bas pour refouler un ballon porté? Il semble qu'ils vont les attendre en bas, voilà. Mais le ballon était impeccablement saisi par Ituria. Et le ballon porté qui avance. Et qui avance et qui finit dans l'embut pour l'essai. Marqué par tout le paquet d'avant de l'aviron bayonnais. Et qui sera accordé au talonneur Giudicelli et qui remet la section paloise sous pression alors qu'il venait de marquer la réponse immédiate de l'aviron bayonnais. Modèle de ballon porté là, le ballon au fond. On se décale quelque peu, la prise de balle impeccable, les Palois qui essayent de mettre la pression vers la ligne de touche pour sortir le ballon porté en dehors des limites du terrain. Mais en se servant de cette pression latérale des Palois, les Bayonnais, eux, se désaxent dans le terrain et finissent derrière la ligne avec le talonneur Giudicelli. 5 points d'écart avant la transformation de Camille Lopez. Et la transformation de Camille Lopez qui passe. On revient à 3 points d'écart, 22 à 19 en faveur de la section paloise. Oh, quelle est belle cette image de David Sénère, la joie, la rage. Alors que Maxime Machno est sorti et a laissé sa place. Reprise. Au jeune Aprasidze, le jeune demi-mêlée géorgien de l'aviron.
Cette fois-ci, il est bien sur son pied gauche, Camille Lopez, et forcément, ça change tout. Ça donne 20 mètres de plus. Et c'est dans le couloir des 5 mètres. Premier. Malgré tout, ça a été récupéré par... Après. Il n'y aura personne autour. Les Palois. Il gratte, il lâche le ballon, ça fait en avant. Peut-être le contest était bon de la part de Baptiste et Guy. Et on conteste de la part des Bayonnais. Et ça va pas plaire. Contestation 10. C'est Camille Lopez qui conteste et Simone s'y pose le ballon. Il va la tenter 40 en face pour sortir Bayonne du bonus défensif et surtout reprendre 6 points d'avance. Ils le savent, les joueurs, même si les capitaines Camille Lopez. On ne doit plus contester. Les arbitres ont pour consigne de sanctionner toute contestation. Et c'est bien le cas. Et le silence de cathédrale du hameau, tant de supporters palois évidemment que bayonnais, on ne peut que le saluer. Ah. Ça, quelques sifflets reviennent. Et le meilleur réalisateur du championnat, qui était à 163 points avant cette journée, devant certains Camille Lopez, passe cette pénalité et redonne 6 points d'avance à Pau, qui mène désormais 25-19. Marc Samuel et Céala qui s'était fait mal en aplatissant son deuxième essai. Il y a quelques minutes, m'a semble-t-il, été remplacé donc probablement par Desperes et on aperçoit le demi-mêlé Robson qui lui a dû remplacer Dobania. En avant. Avantage. Manu qui arrive avec une connecté. Course. En angle. Oui, le voilà, le jeune Axel Desperes. Et Atisogbe avec un peu de réussite qui récupère ce ballon. Il a Maddox sur l'extérieur. Camille Lopez qui essaye de glisser. Tibérien qui revient et qui pousse Maddox. Ouais, a-t-il le droit de défendre avec un coup d'épaule? Arrêt du temps. A-t-il le droit? On va écouter les arbitres. On est d'accord. Alors. Ce n'est pas un plaquage, il doit envelopper normalement. On laisse les arbitres et on va revoir. Ce que je vois, je ne vois pas un plaquage de la part du 15 bleu. Je vois une charge à l'épaule du 15 bleu qui a annulé l'essai. Donc pour moi, c'est essai de pénalité. Carton jaune, est-ce que tu es d'accord avec c'est ça? C'est la même décision, moi. D'accord. 15. Et le pire, c'est qu'il y avait peut-être même essai de toute façon, mais ce sera essai de pénalité, carton jaune. Et là, on est peut-être... Alors de jeu au tournant du match et avec cette double peine et cette pénalité, carton jaune, les Bayonnais à 14 pendant 10 minutes. 32-19 désormais, 13 points d'avance pour la section paloise. Mais qu'est-ce que c'est bien joué de la part d'Atisogbe. 11 blanc. Qui va au cordeau pour fixer Camille Lopez et servir Maddox. Qui, me semble-t-il, avait quand même réussi à marquer. Et quand même, hein, cette petite passe au pied de Desperes qui venait de faire son entrée. Magnifique. Inspiration du jeune, normalement, demi d'ouverture, mais qui, j'ai l'impression, est rentré au poste de centre, faisant glisser Emilien Gailleton à l'aile. Et on a changé les deux piliers côté palois avec les entrées de Siegfried Fissioy et Nicolas Corato à la place de Chauvac et Tokolahi. Nico Tadze bien pris. Et la révolte, elle peut venir d'Oussem Kassir à Prasidze. Essaye de mettre du rythme et là il a retrouvé à l'intérieur Rhys Hodge qui lui aussi est rentré à Prasidze qui croise avec son troisième ligne Huguet. C'était Egui
Et l'en avant de Thomas Aquier, alors qu'il n'avait plus qu'à plonger derrière la ligne. Cette action bayonnaise était magnifique. Voilà, Rissage qui a remplacé Bagé. Vous retenez par le maillot ici. Ah, il y a quand même un avantage en cours. Il amène du gaz. Gaïla a pracidisé le demi de mêlée géorgien. Vous retenez par le maillot ici. Magnifique croisé avec Baptiste et Guy. Et là, Thomas Aquier qui lâche le ballon au moment où il allait plonger derrière la ligne. Et on allait évidemment touche Rhys Hodge, la recrue phare, l'une des recrues phares de l'intersaison, l'international Wallabies. Allez, sur le dernier ballon porté, la dernière pénale touche les Bayonnais, on finit derrière la ligne. Avec un essai de Gudicelli, il n'est plus sur le terrain, mais il y a Thomas Aquier qui vient de commettre un en avant. Va-t-il se rattraper? Il semble qu'il y ait un palois qui l'ait empêché d'aplatir. Je suis d'accord. Et cette pénalité, cette fois-ci en faveur de l'aviron bayonnais. Écoutons pourquoi. C'est le capitaine. Et la double peine également. La cohérence de l'arbitrage de M. Pradery. C'est du Quiet Lock là, qui, au milieu du maul, l'écroule volontairement. C'est assez évident. On n'a pas le droit d'écrouler un maul. C'est l'une des règles fondamentales. Et du coup, Bayonne de nouveau à 6 points de la section paloise et surtout les deux équipes à 14. Pas d'infériorité numérique. Ils peuvent à nouveau y croire, les Bayonnais. Cette fin de match s'annonce folle ici au stade du Hameau. Non, c'était pas forcément nécessaire cette charge de Yuri Delhomme. Despérez qui a trouvé Atis Ogbe qui échappe au premier plaquage, qui retrouve à l'intérieur Zegger, la Chistera et Atis Ogbe qui va aller marquer le cinquième essai palois. La dernière passe était peut-être à la limite de l'en avant, mais l'essai est accordé. Mais Atis Ogbe est dans tous les bons coups depuis le début de la rencontre et même sur cette action où il a touché le ballon à plusieurs reprises. Vient marquer le cinquième essai, neuvième essai dans ce match. Alors là, on va revoir la relance de Maddox. À nouveau, Despérez pour Atis Ogbe. C'est cette passe qui est limite pour Sacha Zegger. La première passe entre Atis Ogbe et Zegger, mais il ne me semble pas que l'arbitre ait demandé un arbitrage vidéo. Celle-ci. En revanche, la Chistera est magnifique pour... le dernier passeur et cet essai d'Atis Ogbe. C'est le 14, c'est important. Le 6. Non, mais là. Non, c'est bon, on est tout bon. Là-bas, sur les CPNT, c'est le 6 pour vous. Et eux, c'est le 15. Alors que l'entraîneur palois Geoffrey Lannepetit est en discussion avec M. Pradery pendant que Simone s'apprête à transformer cet essai. Ce match est complètement fou. Et la transformation qui passe. Et de 6, on repasse à 13 points d'avance. Despérez qui sert Atis Ogbe, Zegger, la Chistera pour Delhomme. Et Atis Ogbe qui vient marquer son deuxième essai de la saison. Les Bayonnais qui avaient fait le plus dur en marquant et en plus en provoquant un carton jaune contre Luke Whitelock, mais là qui se retrouve de nouveau à 13 points de la section.
Et la section qui se remet sous pression seule. Maddox qui réussit à remettre de l'avancée. Despérez pour Atisogbe. La jeunesse paloise déchaînée dans cette fin de rencontre. Mais la jeunesse paloise sanctionnée. C'est bon, messieurs. 15 verts. 15 verts. Ceiling, 15 verts. C'est Jack Maddox qui a plongé sur ce ballon pour le protéger. Faute qui ne plaît pas à Sébastien Piccaroni puisque les deux derniers ballons portés de l'aviron ont amené deux essais et un carton jaune. C'est l'un de leurs points forts, évidemment. Même s'il y a un petit matelas de 13 points d'avance pour la section. Et c'est encore Arthur Ituria en début d'alignement. Et c'est encore un ballon porté qui avance petit à petit, petit pas par petit pas. Il ne sort pas en touche, il passe par le sol pour ne pas sortir. Mais là, il est en touche, clairement. Alors, c'est quoi la faute le joueur? C'était quand même sous les yeux de l'arbitre de touche. Attention, parce que là, il y a une charge de Baptiste Egui. Ballon derrière. C'est bien récupéré par Mathis Perchaud. Avantage 12 hors-jeu. Avantage en cours pour les Bayonnais, pour un hors-jeu de Manu. Lopez, la passe au pied. Ce sera pour Rhys Hodge. Ouh, attention à ce plaquage de Maddox. Y a-t-il eu les hanches qui sont passées par-dessus les épaules? Plaquage à renversement. C'est chaud, c'est bouillant. Cette fin de match ici au Hameau. Et on va écouter l'arbitre parce qu'ils se sont dit plein de choses, les arbitres, dans leurs oreillettes. Ici, effondrement du mol. Et on revient tout simplement à la même faute que Luke Whitelock, effondrement du mol. On revient vite au direct parce que... Il y a encore le feu sur la ligne paloise avec ce lancé pour Thomas Aquier. Les deux derniers arrêtés en début d'alignement pour Arthur Ituria. Et bien, la troisième aussi, mais c'est une combinaison avec Kassim qui plonge dans l'embute et cette fois-ci il ne sera pas refusé. Ils ont surpris tout le monde après avoir enchaîné trois ballon porté. Et cette fois-ci, il peut faire un cœur avec les doigts. Il avait eu un essai refusé en première période. Magnifique cette combinaison. Les Palois s'attendaient à devoir pousser sur Arthur Ituria, sur le ballon porté. Et en fait, Kassim vient dans le couloir des 5 mètres et Youri Delhommel ne l'a même pas vu partir et forcément Atisogbe ne peut rien faire face à la puissance du troisième ligne centre sud-africain. Et c'est le dixième essai de la rencontre. On vous rappelle, hein, et c'est le dixième essai de la rencontre qui est transformé en plus. Et du coup, on revient à 6 points d'écart, 39-33. Et on vous rappelle que ce soir, dès 20h10, dans le Canal Rugby Club, autour d'Astrid Bar, vous pourrez vivre tous les résumés et toutes les réactions de toutes les rencontres, dont ce bouillant Pau Bayonne. Un Canal Rugby Club qui encadrera la rencontre entre Perpignan et Toulouse. Et demain, c'est à 20h20 que commencera le Canal Rugby Club avec un long débrief de France-Pays de Galles, ou plutôt Pays de Galles-France, et qui encadrera le dernier match de cette 18e journée. Racing Toulon à Pracitzé pour la sortie de camp. Il reste un peu plus de 8 minutes à jouer. 6 points d'avance pour les Palois. Les Bayonnais qui pour l'instant ne sont même pas dans le bonus défensif, rappelons-le. Voilà, il y a de l'espace pour Despérez. Despérez qui sert Gorgadze. Robson à la mêlée avec la charge de Tagitagi Valou. Ils sont dans l'avancée, les Palois. On se donne coup pour coup dans cette rencontre.
Nouvelle grosse charge de Nicolas Corato. Robson dans le fermé avec une nouvelle fois Tagi Tagi Valou. Manu qui feinte la passe et qui repique à l'intérieur. Attention au contest tenté par l'Estrade. Là, le contest semblait bon. Il a hésité à siffler l'arbitre. Il n'y a pas eu d'en avant non plus. Fissioy en pick and go. Corato, peut-être un en avant volontaire d'un baïonné. Oui, arrêt du temps. Je veux voir s'il y a une possibilité de jeu sur nombre. Un carton jaune pour Arthur Ituria pour cet en avant volontaire. Merci Flavien. En avant volontaire pour sur nombre derrière. Possibilité intéressante de jeu. Il faudrait quand même revenir au rôle précédent. Entre ouais, Tagi Tagi Valou et Fissioy. T'es fou quoi. Il y avait clairement un surnom là. Il y avait Desperes et Manu qui étaient seuls. Et que vont-ils faire? Ils vont tenter cette pénalité, oui, pour tenter de prendre 9 points d'avance et de plus être à portée d'essai des baïonnés. Et c'est pas très beau ça, les sifflets pour la sortie d'Arthur Ituria. Super Flavien, super complément sur le surnom. Même si on sait que le public du hameau est un super public. Là, on revoit l'en avant volontaire. La faute est claire et nette. Mais il y avait peut-être un petit quelque chose un peu plus tôt dans... Bien reçu. Merci. Dans l'action. Allez, Simmons déjà à hauteur de 14 points dans cette rencontre. Pour en ajouter 3 de plus. Et voilà, 17 points pour le demi d'ouverture anglais qui donne 9 points d'avance à son équipe. Il faudra marquer 2 fois pour s'imposer côté baïonnais. Attendez, Blanc. Et il faudra marquer un essai pour essayer d'aller chercher au moins un bonus défensif alors que le carton jaune, le premier chèque tibérien revient. Mais non, Luke Whitelock, c'était quand même une ou deux minutes après le carton jaune de tibérien puisque c'était sur l'action suivante. Ils ne peuvent pas rentrer en même temps. Plaquage ! Lâchez ! 6 minutes à jouer dans cette rencontre. Non ! Non ! Donc les deux équipes sont à 14 contre 14 puisque Tibérien rentre au moment où Ituria sort. Le voilà, chèque Tibérien. Il a trouvé le soutien de Perchaud. Après Sidze avec Lopez, on va peut-être aller chercher les espaces, les strates qui sautent pour Rémi Bourdeau. Scholz à la percussion. Oh, là, il y a une montée en pointe de Robson et à la limite de leur jeu, mais Camille Lopez l'avait bien vu, l'avait bien lu. C'est un en arrière. Baptiste Egui a récupéré le ballon. Miko Tadze peut essayer de remettre de l'en avant avec son compère Aprasidze. Carreras, que l'on a peu vu, il a été cadenassé. L'ailier argentin, Rhys Hodge, le Wallabies, qui fait son retour de blessure aussi. Là, il y a un en avant de Tagi Tagi Valou, volontaire ou pas. Oh, le gros plaquage de Zegger sur Camille Lopez. Terminé. Erbin Artegaray avait tenté un petit coup de pied rasant. Ouais, c'est dans le plaquage que Tagi Tagi Valou avait commis cet en avant. À 9 points d'avance, à 4 minutes de la fin, il peut quand même avoir un début de sourire, même si on sait que tout peut se passer dans ce top 14 complètement fou. Sébastien Piccheroni. Arrêt du temps. Et avec de l'expérience, on met un genou au sol pour faire tourner, non pas le chronomètre, puisque et l'arbitre évidemment arrête ce chronomètre, mais pour permettre à ses coéquipiers de se reposer de la part de Youri Delomène. C'est que du plaisir, comme vous. On est heureux d'être sur le terrain, c'est le principal.
Grégory Patate en discussion avec ses adjoints. La mêlée est introduction. Aviron bayonnais. Il faut marquer tout de suite pour espérer l'emporter, puisqu'il faut marquer deux fois. Lié. Alors que la Oñada a retenti dans les tribunes du hameau. Déjà en travers ici de ce côté là-bas. Donc. Ah oui, mais là, le chronomètre continue de tourner pendant qu'on discute avec Fissier et Monsieur Pradery. On voit le placement là de la ligne de trois quarts débaillonnée avec un Carreras très à plat. À préciser, ça le fait marrer. Pas sûr que ce soit le cas de son coach Grégory Patate. Ah, on s'est écroulé côté palois. Et le chronomètre qui tourne toujours. Arrêt du temps. Ah non, arrêt du temps demandé cette fois-ci. Parce que sur la précédente, il ne l'avait pas demandé. Oui, oui, je sais. Flexion. Lié. Et la grosse poussée de la mêlée paloise. Oh, c'est peut-être la poussée de la gagne. À 8 contre 7, puisque vous voyez Luke Whitelock a fait son retour sur le terrain. Ils ont emporté le paquet d'avant bayonnais et ils ont récupéré le ballon. Et là, ils sont en possession du ballon à 3 minutes de la fin. Et Robson qui choisit le fermer en plus, où il a retrouvé Emilien Gailleton. Les cannes d'Emilien Gailleton, l'international français qui cherche à gauche, à droite. Il retrouve Despérès qui a réussi à se relever. Il n'était pas tenu, il en avait le droit. Le ballon était sorti, donc là aussi le bayonnais avait le droit de s'en saisir. Ballon récupéré par les bayonnais. Mais ils sont désormais dans leurs 22 mètres et il reste tout le terrain à parcourir pour aller chercher quelque chose. Et vu comment le chronomètre tourne, s'ils vont chercher quelque chose, a priori, on se dirigerait plutôt vers un bonus défensif parce que marquer deux fois en deux minutes, ça paraît compliqué. Sauf si là, chaque Tibérien échappe. Mais non, il est très bien pris par Despérès et Atisogbe. Et surtout, les Bayonnais sont toujours dans leur moitié de terrain, à proximité de leurs 22 mètres. Dans leurs 22 mètres, là, Carreras qui ne trouve pas d'espace. Avantage en cours pour les Bayonnais qui vont leur permettre d'aller en touche dans le camp palois. Mais d'abord, on joue cet avantage avec Egui. Après Sidze qui joue avec ses avants. Et non, c'est Carreras qui est venu comme un avant au rat de The Ruck. Le pick and go de Rémi Bourdeaux. Et cette fois-ci, après Sidze qui va jouer un petit peu plus loin avec Miko Tadze. Avantage terminé. L'avantage terminé. Carreras sur les appuis qui réussit à servir Rhys Hodge. Le jeu au pied contré. Et pénalité. Et il était devant Gorgadze. Le contre ne vous remet pas en jeu à vous. Remet en jeu les bleus, mais pas à vous. Voilà. Vous êtes devant le contreur, vous ne pouvez pas jouer le ballon. Lorsqu'un jeu au pied est contré, il remet en jeu l'équipe qui a tapé au pied et non pas l'équipe qui a contré le jeu au pied. Là, c'est un contre repris devant par Gorgadze. Alors que c'était magnifique ce qu'avait fait Carreras pour servir Rhys Hodge. Là, vous voyez. Il a reçu. Contre de Gailleton, repris devant par Gorgadze. Et quelle est importante cette touche à 20 secondes de la sirène. À une quinzaine de mètres de l'embut de palois, les Bayonnais peuvent encore aller chercher un bonus défensif en cas d'essai. Mais d'abord, il faut conserver ce ballon et ce n'est pas le cas puisque c'est Fissioy qui s'en est emparé. Il se l'est fait arracher par Lopez dans les règles.
Il y aura donc une dernière munition pour les Bayonnais avec l'estrade. La sirène qui retentit, ce sera la dernière action, à moins qu'il y ait une pénalité, évidemment, vous le savez. Après Sidze avec Mikotadze. Un peu moins d'une trentaine de mètres à parcourir pour les Bayonnais jusqu'à l'embut de Palois. Mais d'abord, il y a cette énorme défense paloise. Bourdeau qui est arrêté alors que Corato va le chercher. Ce sont les Palois qui dominent les impacts dans cette fin de match. Regardez, ils ne savent pas quoi faire. Et Guy prend ce ballon seul et arrêté. Perchaud refoulé. Après Sidze qui essaye d'organiser avec Camille Lopez. On joue dans le dos pour Cheikh Tiberian qui va passer à l'intérieur de Robson. Il échappe au premier plaquage. Il bute sur Maddox, mais il avance plus qu'à 5 mètres de la ligne. Le soutien est bien là. Après Sidze avec Akier. Refoulé par la défense paloise. Mais là, il y a danger. L'estrade qui allonge pour Hodge. Carrera s'en pointe. Il va marquer l'essai en coin. L'ailier argentin. Et c'est l'essai du bonus pour les Bayonnais. Et un point qui pourra compter très très cher à la fin de la saison. Ils ne repartiront pas fanis du stade du Hameau.